Plusieurs mois après avoir été ridiculisé et intimidé pour avoir dansé à un concert, un homme du Royaume-Uni, qui est maintenant connu comme Dancing Man, a reçu la fête du siècle le samedi soir dernier à Hollywood. Des photos de Sean O'Brien en train de danser, accompagnées de commentaires se moquant de lui, sont devenues très populaires sur le forum 4chan et ont depuis fait le tour d'Internet. Sur les photos, on pouvait lire « J'ai vu ce spécimen essayant de danser l'autre jour. Il a cessé lorsqu'il nous a vu rire de lui. » Les médias sociaux sont venus en aide à O'Brien en lui envoyant des milliers de messages d'appui. Cassandra Fairbanks a vu la photo et a immédiatement sauté sur Twitter pour demander l'aide de ses abonnés afin de retrouver Dancing Man et lui organiser une fête. Des milliers de femmes de Los Angeles ont accepté de participer à la fête monstre en l'honneur d'O'Brien. Une page GoFundMe a été mise sur pied pour aider à payer son vol et ses dépenses. La page a amassé plus de 35 000 dollars américains en 3 jours. Les fonds restants seront donnés à un organisme œuvrant contre l'intimidation. La fête a été organisée au Avalon Hollywood et plusieurs célébrités y ont participé. Monica Lewinsky est aussi passée pour encourager O'Brien et lui offrir un massage de pied. O'Brien a déclaré ne jamais avoir autant dansé. Selon lui, c'était la meilleure nuit de sa vie. Aimeriez-vous avoir été à sa place? Pour des commentaires drôles et nos vidéos inédites, visitez fr.tomonews.net.